Alors on va vous montrer aujourd'hui les mini bandes élastiques que nous vous proposons, qui sont des bandes très chouettes. C'est un petit peu comme avoir une salle de gym dans la poche. C'est des bandes extrêmement polyvalentes qui permettent de faire à peu près tous les exercices qu'on peut imaginer pour travailler à la fois le haut du corps, le bas du corps, le gainage, etc. Le jeu de bandes élastiques comprend 4 bandes, depuis la plus facile, la verte qui est la plus extensible, et puis ensuite bleu, rouge, et la plus difficile, la noire. Donc juste aujourd'hui, on va vous montrer 2 exercices. Ce n'est pas un programme de gym qu'on va vous montrer aujourd'hui parce qu'on fera des programmes plus tard. On va vous montrer au moins 2 exemples avec Ludivine. Un pour le haut du corps, un exercice pour le haut du corps et un autre pour le bas du corps. Toujours intéressant de penser à travailler au renforcement musculaire à la fois le haut et le bas du corps. Donc vas-y, tu nous montres un exercice pour le haut ou le bas du corps d'abord. Le haut du corps d'abord. Ok, carrément, à la bande élastique noire. Ouais. Donc je me positionne comme ça, et pour faire le bras gauche ici, je vais bien me stabiliser sur ma jambe droite, me tenir droite, bien alignée, et voilà. Tirer. Voilà. Donc là c'est un exercice qui va travailler tous les muscles qui permettent le tirage, qui est un mouvement primordial, tout ce qui est tirage. On verra d'autres fois des exercices de repousser, donc ça c'est tirage, ça travaille l'agrippement, réflexe au niveau des bras également. Donc ça c'est intéressant. Et le gainage parce que je suis obligée, et sinon je suis obligée de stabiliser. Là forcément on a tout ce qui est l'axe du corps qui travaille, les abdos qui travaillent. Très bien, donc voilà pour le haut du corps. Et un exemple d'exercice pour le bas du corps, ouais. Pour les fessiers. Je vais prendre le rouge. Voilà, tout simplement, j'ouvre ici. Voilà. Et quand on fait ça, on sent bien que ça va tout de suite travailler, chauffer au niveau des fessiers. Donc voilà, 2 exemples d'utilisation des bandes élastiques. Si vous cherchez un peu sur YouTube, vous verrez qu'avec les bandes élastiques, on peut faire des dizaines et des dizaines d'exercices. Et on vous proposera prochainement des programmes de mouvements primordiaux. Merci et à bientôt.